Bonjour, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous savez, ces améliorations dont nous avions discuté, tout est installé et les données sont prometteuses. Jetez un coup d'œil. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour la 6e manche de ce championnat F1 2016 Monaco. Ça y est, nous y sommes. Et la voiture est prête, de nouvelles évolutions sont installées, prêts à en découdre et à découvrir le comportement sur la très serrée piste monégasque. Sur le circuit de Monte-Carlo pour la course du week-end. C'est une course chargée d'histoire. Mais avant que les pilotes ne se focalisent sur la victoire, ils devront d'abord passer par la délicate séance d'essai d'aujourd'hui. L'épingle de la Rascasse est le virage le plus lent de tout le championnat de F1. Il n'est pris qu'à 48 km/h et offre un spectacle impressionnant au premier tour quand les pilotes ralentissent et s'entassent dans la courbe pour la négocier en douceur et ne pas y laisser des plumes. C'est un virage tellement serré que les écuries doivent équiper leur monoplace de crémaillère spéciale pour leur permettre de tourner. Il est permis de dépasser dans l'épingle, mais bien souvent c'est une manœuvre risquée qui se solde par un aileron avant cassé. Nous allons intégrer des données supplémentaires durant cette séance. Comme nous avons de nouveaux composants, nous voulons nous assurer que tout marche convenablement. C'est parti, on découvre la McLaren dans les rues de Monaco. J'espère que vous allez bien pour donc cette 6e épreuve de l'année. L'un des points d'orgue pour nous avec une voiture qui a bien évolué. Et sincèrement, on sent la différence hein, depuis l'Australie, en termes de stabilité, notamment en virage mi-vitesse. On découvre cette piste de Monaco avec l'objectif de remplir un chrono en pneu ultra soft dans cette première séance d'essai libre. Et vous allez voir que ça va plutôt bien se passer. Il faut s'écarter. On va essayer de faire un tour un peu plus tard embarqué pour vous présenter la piste en elle-même. Tout se passe bien. Donc dans ce championnat, on termine sur une belle 4e place en Espagne grâce à la stratégie. Ici, on va de nouveau tenter un gros coup de poker. Après tout, c'est le casino de Monaco. On va tenter de partir en pneus soft, super soft, ultra soft disponible en pneus super soft, les pneus rouges et non pas en ultra soft pour gagner un arrêt. Bref, je vous expliquerai ça en temps voulu. Compliquer la chicane ici, la chicane du port qui a été améliorée encore pour des raisons de sécurité. On a encore reculé les rails depuis l'accident en 2011 de Sergio Pérez sur sa Sauber. Nouveauté dans la version 2016 de Monaco, il y a un virage qui a été adouci, le 2e S de la piscine est beaucoup moins abrupt qu'il ne l'était. On peut donc passer en 3e au lieu de retomber en 2e. Et on conclut le tour ici et on va faire un plutôt bon résultat dans cette première séance d'essai libre qui se passe sous le soleil. Quelques passages nuageux mais rien de grave à signaler en termes de conditions météo, tout va bien. Jetons un œil au classement à la fin de cette séance. Voici à quoi ressemble le top 3. Une McLaren, Verstappen et Fernando Alonso. Nous en avons terminé avec la séance d'essai libre. Nous espérons vous retrouver bientôt. Et voyez qu'au niveau des pneumatiques, ça fonctionne bien. 2e séance, le vendredi après-midi. Cette fois-ci, la gestion des pneus est au programme. Et sur la piste de Monaco, c'est quelque chose de très délicat. Pourquoi? Parce que ça glisse beaucoup. Il y a énormément de bosses. Et la voiture ne peut pas aller faire un tour du côté des bords de piste parce que les marbles qui y sont déposés vous emmènent directement dans les rails. Pas de droit à l'erreur ici. On rappelle pour ceux qui débarquent que nous sommes bien entendu en mode expert au niveau de difficulté et qu'il n'y a comme assistance activée que l'anti-patinage en intermédiaire. Vous voyez qu'ici on est en butée, alors je pilote évidemment avec le volant F1, ce qui me permet d'avoir exactement la même chose que ce qui se passe sur le volant de Stoffel Vandoorne. Et vous voyez qu'au niveau de la gestion des pneumatiques, on débute assez difficilement de se séparer de l'écart et du delta. En fin de test, vous le voyez, on sort de ce tunnel et vous voyez, ça s'est bien passé, tout est dans le mauve, même si parfois ça a été un petit peu compliqué hein, de ne pas être gêné par une voiture, mais la partie de cette 2e séance qui durait 45 minutes était plus calme et donc peu de voitures sur notre chemin et donc un contrat rempli des points dont on aura besoin pour faire évoluer de nouveau la voiture pour le Grand Prix de Bakou, parce que le Canada, je pense que ça va être un petit peu court, on verra bien, mais l'objectif c'est d'avoir le moteur qui va pour Bakou. Voilà, conclusion de cette 2e séance d'essai libre ici à Monaco avec le programme complété, 105 points sur 105, c'est du très très bon pour nous. Les participants ayant tous franchi la ligne d'arrivée, je vous rappelle le top 3, Hamilton, Rosberg et Daniel Ricciardo. Merci d'avoir assisté à cette séance d'essai libre. Nous retrouverons bientôt toute l'émotion de la Formule 1. Le samedi matin, on tente de faire un perfect, comme on dit, sur la découverte du circuit que l'on a retardé, qu'on avait même oublié. Et on va voir ce que ça donne surtout au niveau du rythme en pneus soft. Alors la stratégie sera la suivante en qualification. Tenter en Q2 de passer en Q3 avec des pneus soft et ainsi partir, des pneus super soft pardon, et ainsi partir face à nos adversaires avec un arrêt de moins. Mais l'objectif c'est surtout la Q3 et pourquoi pas la pole position. Alors je m'emballe peut-être un petit peu face aux Mercedes notamment, mais sur une piste comme celle-ci, tout peut se jouer. Et s'il pleut par exemple en Q3, ce qui n'est pas forcément prévu, c'est très nuageux, mais bon, une petite pluie peut arriver, eh bien ça pourrait changer la donne. Mais surtout, si du dimanche il fait sec, on pourrait gagner un arrêt, ça pourrait, pourquoi pas, nous mettre dans de très bonnes conditions. On termine ce tour, vous voyez qu'on est proche du perfect, on a exactement ce qu'il nous faut, et c'est terminé pour cette piste de Monaco pour le samedi matin. Place maintenant à la Q1, première séance qualificative de ce week-end monégasque. Nous avons assisté à une séance intéressante. Les trois meilleurs chronos sont les suivants: Hamilton, Vettel et Carlos Sainz. C'est ainsi que se terminent les essais libres. Espérons que ce week-end nous réserve d'autres surprises. Nous sommes ici sur l'un des circuits les plus difficiles du calendrier. Bienvenue à Monaco pour la séance de qualification. Ça m'a tout l'air du type de circuit qui va être très exigeant envers les pneus arrière, avec beaucoup de sorties de virages lentes. Les nombreuses sorties de virages lentes vont infliger beaucoup de dommages aux pneus arrière. Il est très facile de survirer en effectuant une sortie trop agressive. C'est toujours spectaculaire et nous aimons tous voir une monoplace poussée au-delà de ses limites. Mais c'est aussi incompatible avec un bon chrono. Veuillez quitter le garage, la monoplace va partir. Samedi après-midi, ici à Monaco, la séance qualificative débute pour Stoffel Vandoorne. L'objectif est bien sûr de se hisser en Q3 dans une très bonne position. On nous libère pour débuter ce premier tiers de séance. Une formalité pour l'équipe McLaren qui désormais est bien installée parmi le top 5 de cette saison. Attention, sortie de cette voie des stands, de ne pas couper la ligne jaune sous peine d'une pénalité. On se retrouve pour vivre ensemble un tour décrit de cette piste de Monaco avec tout d'abord la ligne droite des stands qui n'est pas vraiment droite. Seule zone de DRS ici, le freinage de Sainte-Dévote qui se prend en deuxième. Selon les pneus, ça peut passer aussi en 3 avec plus de grip. La remontée du casino en S, très délicate. Le S de Massenet, le casino en lui-même et le bâtiment sur notre droite. Ici, on ne peut pas rester collé sur les armes à gauche. Il faut se décaler pour la bosse de l'arrêt de bus. Le droit de Mirabeau qui se prend en deuxième. L'épingle du Loves ou du Grand Hôtel ou de la Gare selon les périodes, qui se prend elle en première en butée. Il faut lâcher le volant comme dans la réalité. Le droit du portier, c'est ici qu'en 88, Ayrton Senna avait terminé sa course alors qu'il avait plus de 50 secondes d'avance sur son rival Alain Prost. La sortie du tunnel, pas trop éblouie pour freiner sur la nouvelle chicane du port qui a été redessinée et surtout remise en sécurité après, je vous le disais, l'accident sur la droite de Sergio Pérez. Le gauche du bureau de tabac qui n'est plus sur une bosse depuis les années 70. Le double S de la piscine étant sur notre droite, qui a été donc affiné, je vous le disais, au fil des années et encore cette année, puisqu'on peut le prendre en troisième. L'épingle, le droit de la Rascasse, où en 2006, Schumacher avait terminé sa qualification d'une manière très controversée. L'ouverture du DRS, et on conclut un tour dans cette Q1, de quoi nous mettre bien à l'abri, même si on est derrière pour l'instant Rio Arianto. Cela suffit, nous serons donc au final en ultra soft, classé 10e. Deuxième séance, et c'est ici que tout le week-end devrait se jouer pour Stoffel Vandoorne avec un tour très important. Il va falloir rentrer un chrono qui nous permettra de passer en Q3 avec des pneus super soft et non des ultra soft, gênés déjà dans la montée du casino par Lewis Hamilton. On est obligé d'attaquer et voyez que là il y a pas mal de sous-virages. On perd un petit peu de temps dans ce tour rapide, on n'est pas assez proche des rails alors que c'est Kimi Raikkonen qui pour l'instant se met à l'abri en 1 minute 16. Le passage très délicat ici de l'épingle, vous voyez qu'on est en butée et on doit réaccélérer très tôt pour faire pivoter la voiture sur le vibreur. Pour l'instant, l'objectif, c'est la 10e place. On ne demande rien de plus que d'aller chercher la Q3 avec ses gommes et ainsi être le seul aux avant-postes avec ces gommes-là, ou en tout cas faire partie des rares pilotes à passer en Q3 en pneus super soft. On sait que c'est notamment ce qu'aime faire Sebastian Vettel chez Ferrari. Il nous avait déjà fait le coup un peu plus tôt cette saison alors que la piste offrait différentes stratégies. Le gauche du bureau de tabac, attention sous virage, on était très proche là des rails. On passe la piscine en 6e, on tombe en 3 pour attaquer le 2e S. L'épingle qui ici se prend en première. On bloque un peu les roues à l'avant-droit pour Stoffel. Il faut bien ressortir du droit en Andoni Nogues. Est-ce qu'on va réussir à se placer dans le top 10 dans ce Grand Prix de Monaco? Tout peut se jouer dans quelques secondes. Et nous sommes quatrième devant Valtteri Bottas. On va découvrir les résultats de cette Q2. Sommes-nous en Q3 avec nos pneus super soft? Et oui, nous avons réussi à passer pour moins d'un centième de seconde devant Valtteri Bottas, ce qui nous offre la Q3 en pneus super soft. On va maintenant pouvoir jouer tout simplement la pole position. Alonso est également passé. Quant à Carlos Sainz, notre rival, sa séance qualificative s'arrête ici. Et on place également une Manor en Q2, ce qui est une belle performance pour la petite structure britannique. Deuxième moment important de ce week-end de Monaco, la séance qualificative, la Q3. Évidemment, avec la chasse à la pole position, nous avons deux trains de pneus super soft, ultra soft même, pardon, à notre disposition pour entrer le meilleur chrono. On profite d'une piste dégagée. Pour l'instant, il n'y a plus que 10 pilotes engagés. La voiture a été allégée au maximum pour être la plus véloce et la plus vivace possible. Le premier secteur, 20 secondes. 211, on continue d'évoluer sur ce circuit étriqué de Monaco. On espère pourquoi pas une première ligne, ce qui nous offrirait une bonne opportunité au freinage de Sainte-Dévote pour prendre pourquoi pas la tête. On se met à rêver avec cette McLaren qui ne cesse d'évoluer. On avait prévu qu'on allait travailler pour Monaco, il ne faut pas se rater ici, sinon le reste de la saison va être très difficile. Le freinage avec un petit peu de vibreur pour Stoffel Vandoorne, le passage à la chicane, c'est tout juste là à la limite de la piste, le gauche du bureau de tabac maintenant. On reste en quatrième, on passe très très vite. Regardez l'arrière de la voiture qui glisse dans ses enchaînements, avec pourtant le maximum d'appui installé sur les voitures. De nouveau, très gourmand sur le vibreur, mais ça passe. Le freinage ici, pas de blocage de roue, on est très très bien pour Stoffel Vandoorne qui va nous faire une très grosse qualif. S'il continue ainsi l'ouverture du DRS, on longe le mur des stands ici, pas de panoteur, ce serait dangereux. Et on conclut avec la pole position provisoire en 1:16.121 pour le pilote belge. La McLaren est très véloce et elle répond aux attentes de l'équipe. On attend maintenant Fernando Alonso. Mais pour l'heure, c'est la pole position qui attend Stoffel Vandoorne, qui est battu à l'instant par Lewis Hamilton. Mais la séance n'est pas terminée. Il reste une tentative. Et on va découvrir d'ici quelques instants si c'est possible, avec 2 dixièmes de mieux au moment de freiner pour l'épingle de Mirabeau. La deuxième épingle, celle du Loves. Le droit du portier, on ne va pas être gêné. Il y a une voiture devant qui est un petit peu plus lente, mais ça ne devrait pas tomber sur le tour de Stoffel. Dans le tunnel maintenant, on va vivre l'écart au freinage du deuxième secteur. C'était très chaud dans le tunnel. La chicane du port, pardon. On peut gagner beaucoup de temps puisqu'il avait quelques approximations. On ressort de cette chicane. La McLaren qui pour l'instant est en première ligne aux côtés de Lewis Hamilton. C'est déjà un exploit en soi d'aller placer la monoplace britannique à ce stade-ci de la saison si haut sur cette grille. Rosberg s'empare maintenant de la grille. Nous sommes 3e aux côtés de Sebastian Vettel. Les 2 flèches d'argent vont-elles verrouiller la première ligne de cette 8e manche de la saison? Blocage de roue pour Stoffel Vandoorne. On ouvre le DRS. Dernière ligne droite de cette séance qualificative. Le verdict du chrono et la pole position. Pole position en 1:15.810 pour la McLaren. Exploit incroyable pour les hommes d'Éric Bouillet, avec Fernando Alonso qui rentre au moment où Vandoorne retourne pour vivre les dernières secondes de cette qualification depuis le fond du box McLaren. Vous voyez qu'on n'est pas pressé, hein, on savoure chez McLaren pour venir ramener la voiture dans le box. Incroyable performance, si ça tient, il va rester un run au Mercedes pour pourquoi pas détrôner Stoffel Vandoorne. Mais là, la différence est faite, et avec tout le talent du pilote belge, une McLaren pour la première fois cette saison s'élancera en pôle, et ce sera à Monaco, à vivre dimanche en direct bien sûr. Grosse performance pour l'équipe britannique. La course automobile a beaucoup évolué depuis le premier Grand Prix au début du XXe siècle. Les voitures sont plus rapides, les circuits plus grands, les pilotes surentraînés et dévoués à leur sport. Mais c'est ici qu'on revient toujours, car cela reste la victoire la plus prisée du circuit. Oui, il s'agit bien du Grand Prix de Monaco. L'extraordinaire circuit de Monaco est resté quasiment inchangé depuis sa course inaugurale de 1929. Les voitures les plus rapides vont nous faire vibrer dans les 19 virages après le casino et le long du front de mer. En un tour de 3,3 km, vous traversez un pays entier, mais attention, les barrières ne sont jamais à plus de quelques centimètres. Et alors que les pilotes se concentrent sur le départ en se demandant comment sortir entier de Sainte-Dévote, je ne peux pas m'empêcher de me demander si la voiture de sécurité sera de sortie aujourd'hui, Nicolas Martin. Et ça ne serait pas pour vous déplaire, ou je me trompe. Statistiquement, la voiture de sécurité a fait son apparition dans environ 80% des Grands Prix de Monaco. Et cela malgré l'incroyable travail des commissaires que vous voyez souvent soulever les voitures juste après avoir levé les drapeaux jaunes. Mais les équipes prévoient toujours le pire scénario et ils s'assureront quelques marges de manœuvre dans leur stratégie. Le virage de Sainte-Dévote arrive très vite et tu sais comment c'est à Monaco, alors défends ta première position. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. McLaren part en pole position et Nico Rosberg complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Vettel, Daniel Ricciardo et Verstappen, Raikkonen, Alonso, Massa et Romain Grosjean, Bottas, Kvyat, Carlos Sainz et Hülkenberg. Gutiérrez, Wehrlein, Kevin Magnussen et Sergio Pérez, Arianto et Ericsson, Jolyon Palmer et Felipe Nasser qui part dernier sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Aucun souci technique à signaler lors du test de démarrage. Surveille ton régime moteur par la suite. Il ne faudrait pas rester en rade. Vous découvrez donc la piste du circuit de Monaco qui est sous le soleil. Pas de pluie annoncée aujourd'hui dans la principauté. On espère que ça se passera bien au départ. On sait que c'est toujours délicat de faire passer 22 monoplaces de fous furieux dans Sainte-Dévote, en tout cas dans le virage de Sainte-Dévote. Vandoorne donc qui part en tête et avec les pneus super soft. Qu'est-ce que cela signifie-t-il donc bien? Eh bien tout simplement qu'il y aura un arrêt de moins à faire pour le pilote belge face à ses homologues directs. On a vu que Sebastian Vettel était également chaussé de pneus super soft. Belle performance de Romain Grosjean en Q3 qui a placé la Haas 10e. Et on va vivre donc ce Grand Prix de Monaco dans son entièreté ensemble. Et on va voir si ça peut, pourquoi pas, bien se terminer pour la McLaren de Stoffel Vandoorne. Avec pourquoi pas la première victoire en Formule 1 du pilote belge. Ce serait assez rapide et ce serait surtout un bel exploit. On sait qu'il est difficile, mais pas impossible, de doubler sur cette piste de Monaco. Beaucoup de safety cars peuvent également venir interférer dans les stratégie. Première fois également qu'on part en tête du côté de chez McLaren cette saison, la première pole de l'année. Alonso lui sera 8e, donc de quoi faire le café chez McLaren. On attend de voir comment les pilotes vont réagir derrière. Va-t-on avoir droit à un meilleur départ des Mercedes que l'on sait pourtant mauvaise? Les Ferrari vont-elles bondir? La réponse une fois que la grille sera entièrement formée ici aux commandes du starter pour vivre le départ du 6e Grand Prix de la saison ici à Monaco. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. Le drapeau vert est agité en fond de grille, les feux s'allument d'ici quelques secondes. Le départ de la 6e manche de la saison. Extinction des feux ici à Monaco avec un bon envol de Lewis Hamilton, de Felipe Massa derrière également. Les Ferrari qui vont être à 3 de front et Vandoorne qui maintient la tête. Mais derrière, Lewis Hamilton a surpris son coéquipier, s'est emparé de la 2e place, ce qui crée un léger écart avec Vandoorne donc en tête devant les deux Mercedes. Ça se passe bien pour l'instant, pas d'accrochage dans le départ de ce Grand Prix de Monaco. On en avait un petit peu peur dans le milieu du peloton avec des voitures plus lentes devant. En caméra embarquée avec Lewis Hamilton, parti donc mieux que Nico Rosberg. C'est important pour le championnat. Passage à l'épingle, on est à la file indienne pour tout le monde. Et jusqu'ici, je n'ai pas vu de morceaux de carbone voler sur cette piste monégasque. On entame le 2e secteur avec, ici à l'image, Sébastien Vettel qui s'est également bien élancé. On embarque avec le pilote allemand dans le tunnel. Première fois sous ce tunnel. Le passage de la chicane du port, toujours sous le commandement de Stoffel Vandoorne, et on voit de nouveau les Ferrari et les Red Bull enchevêtrés. Le bureau de tabac, toujours le retour des Mercedes déjà. Oh, c'est compliqué pour Vandoorne malgré les pneus super soft. Regardez, les Mercedes sont plus rapides, c'est indéniable, la différence se fait, mais encore faut-il dépasser pour Lewis Hamilton s'il veut récupérer la tête de ce Grand Prix. Premier tour couvert officiellement sous le commandement de la McLaren de Vandoorne, deuxième Lewis Hamilton 3e, Nico Rosberg 4e, Sebastian Vettel 5e, Daniel Ricciardo 6e, Kimi Raikkonen 7e, Max Verstappen et 8e, Fernando Alonso 9e, Felipe Massa et 10e, la Haas de Romain Grosjean. Un premier tour qui n'aura pas donc offert beaucoup de changements de position dans le top 10, si ce n'est Lewis Hamilton qui a pu s'emparer de la deuxième position. Attention à quelques écarts du pilote belge, les murs ne sont pas loin et on n'a pas le droit à l'erreur. Ici à Monaco, vous le savez, quelques morceaux de carbone qu'on a pu entreapercevoir au niveau de l'épingle du Loves. Je ne sais pas à qui tout cela appartenait. La réalisation va peut-être nous remontrer le départ d'ici quelques minutes. En tout cas, pour l'heure, la procession a débuté ici. Et regardez Hamilton qui est déjà en train de revenir sur Vandoorne, mais derrière, c'est assez serré. Regardez les écarts. C'est très très proche pour l'instant à l'issue de ce deuxième tour. Et Romain Grosjean qui s'est emparé de la 9e place au détriment de la Williams de Valtteri Bottas. Regardez à quelle vitesse ces pilotes passent au est de la piscine. Très impressionnant. En caméra embarquée avec Nico Rosberg maintenant qui a son équipier juste devant lui. Et le leader Stoffel Vandoorne dans le fond de votre image. Et pas encore de DRS. On conclut le deuxième tour. Le DRS est désormais disponible et le record du tour pour Stoffel Vandoorne en 1:18.310 ici à Monaco. Logique, c'est souvent le leader qui mène et qui donc est le plus rapide avant la valse des arrêts au stand et les changements de pneumatiques. On devrait normalement observer un arrêt au stand aux alentours du 15e tour pour le pilote belge, alors que ses petits camarades devraient rentrer aux alentours du 10e avec les pneus ultra soft qui sont donc, comme je vous le disais, plus rapides, plus adhérents, plus performants, mais surtout il faut permettre à ces pneus de dépasser et malheureusement ça n'est pas possible sur le circuit de Monaco, ou en tout cas uniquement peut-être au niveau de la chicane du port et peut-être au virage Anthony Nogues et avec de la chance au freinage de Sainte-Dévote. Le départ depuis la voiture, je crois, d'Esteban Gutiérrez. Oh, très mauvais départ pour la Haas, là, qui va se faire doubler par déjà une Manor, celle de Pascal Wehrlein. Et peut-être même par Magnussen, non, qui reste derrière. Ouais, c'était serré, là, dans le fond. Je ne sais pas pourquoi on nous remonte particulièrement cette vision-là. Oh, oui, avec la Manor de Wehrlein. Ouais, le contact, attention, voilà. La voiture de Gutiérrez qui est allée toucher la Manor de Pascal Wehrlein, ce qui explique les quelques morceaux que l'on avait sur la piste. De retour en direct avec Carlos Sainz qui doit se remettre d'un Grand Prix très difficile en Russie avec eh bien, la pluie qui lui avait contraint à l'abandon dès les premiers hectomètres. Ça s'était mieux passé au niveau du Grand Prix d'Espagne à la maison. Et ici, il est dans le noyau dur du peloton. On lutte avec les Force India. Les Force India qui ne vont pas bien du tout, sincèrement. C'est quelque chose de très regrettable. L'équipe de Vijay Malia, Sahara Force India, qui croule depuis le début de saison. Aucun élément de développement ne va dans le bon sens. On a quelques problèmes, quelques déficits budgétaires également, avec certains sponsors qui voilà, commencent à ne pas remplir leurs obligations. Et donc l'équipe Force India qui ralentit au niveau de ce développement dans cette saison 2016. Et on espère qu'on va pouvoir redresser la barre pour la sympathique équipe ex-Jordan, rappelez-vous, du patron indien Vijay Malia. La tête de course de nouveau avec Stoffel Vandoorne dans ce 4e tour du Grand Prix de Monaco qui en compte 39. Et vous voyez que ça commence à filer tout doucement en tête. Les deux Mercedes et la McLaren qui fouillent les Ferrari et les Red Bull un peu en retrait. Ici en vue du ciel avec Nico Rosberg à bord maintenant de la Mercedes dans le tunnel. Vous voyez que l'éblouissement n'est pas énorme maintenant depuis la construction de nouveaux bâtiments sur l'extérieur, sur la partie gauche. Ça empêche le soleil de venir éblouir les pilotes et qui parfois a pu poser des accidents par le passé. Toujours la tête pour Vandoorne, mais on ralentit. On voit que les pneus commencent à s'user pour le pilote belge. L'écart avec Hamilton est de quelques dixièmes seulement. Va-t-on voir un undercut ou pas? Valtteri Bottas à l'image en lutte avec son équipier et la Haas qui l'a dépassé depuis le début de cette épreuve. La Haas de Romain Grosjean désormais 9e et on voit derrière, je crois, Daniil Kvyat, le pilote russe à bord de la voiture de Valtteri Bottas. Ce fut bref. Et on voit Romain Grosjean, voilà Romain Grosjean maintenant, qui a donc pris un excellent départ finalement. On espère que Haas va pouvoir ramener des points dans cette épreuve. On sait qu'au niveau stratégie on est assez décalé. On se rappelle d'Esteban Gutiérrez au Grand Prix de Chine qui avait provoqué un terrible accident en fin de course en voulant résister et en faisant craquer Cet homme que vous avez à l'image, Stoffel Vandoorne, toujours en tête de ce Grand Prix de Monaco. Et les voitures qui filent le long du port. Image magnifique avec les tribunes remplies derrière. Très beau succès de foule, ce circuit de Monaco qui a bien également évolué pour aménager ses espaces d'accueil. Alors on se retrouve avec Lewis Hamilton coincé littéralement avec Vandoorne qui est plus lent mais qui ne peut pas être dépassé. Alors on va surveiller également les pneumatiques puisque ici il y a des risques avec les débris de crevaison. On est très attentif. Il y a eu un gros accident ce matin en GP2 du côté de la chicane du port et il y a eu beaucoup de débris. Ça a été bien nettoyé par les très nombreux commissaires qui sont les meilleurs du monde. Oh, et Stoffel Vandoorne qui va frôler et même plus les Armco. Attention à l'alerte pour le pilote belge de ne pas répéter ce genre d'approximation parce que la voiture premièrement risque de ne pas apprécier et ça pourrait amener des crevaisons, les légers contacts avec le rail. Des fois, il suffit de pas grand chose. Donc attention, attention, il faut réussir à s'adapter à l'usure de ces pneumatiques. J'en reviens donc aux débris qui jonchaient la piste ce matin et les commissaires qui sont très nombreux à évoluer autour de ce circuit de Monaco. Ce sont les meilleurs du monde comme on l'entend souvent et c'est vrai, ils sont envoyés sur beaucoup d'autres événements à l'échelle mondiale pour soutenir les supporters locaux et surtout leurs confrères pour leur expérience incroyable et leur rapidité d'action. On évite souvent de ruiner des stratégies et des safety cars grâce à l'aide de ces commissaires de piste et on les remercie à travers le monde parce que tout simplement sans ces bénévoles, pas de sport automobile. Un nouveau tour couvert pour Stoffel et on embarque tout de suite à bord de la McLaren avec une nouvelle caméra que nous propose la FOM qui nous permet de vivre l'action depuis le museau de la voiture de Stoffel Vandoorne qui a également été installée je crois sur l'une des Haas et des Sauber. On va profiter de la vitesse, regardez à quelle vitesse tout cela défile, très impressionnant de voir ces voitures évoluer entre les rails et de passer parfois très très près, même si là il y a encore de la marge hein, dans le chef du pilote belge qui n'est pas complètement contre les rails pour l'instant avec cette phase-ci et les pneus usés, c'est toujours quelque chose de délicat. Et vous voyez, on va vous laisser profiter un petit peu du son et du tunnel de ce moteur Honda. Et si vous désirez un avis un peu personnel, ce moteur Honda n'est certes pas le plus puissant, mais c'est sans doute le plus beau et le plus agréable à l'oreille de tous ces V6 hybrides. Et voilà, vous avez donc suivi pendant un tour complet Stoffel Vandoorne. Et on retourne avec Valtteri Bottas, toujours à la chasse de Romain Grosjean. Là, Williams semble plus rapide que la monoplace américaine. Encore faut-il dépasser, comme je vous le disais. Pour cela que la stratégie, les undercuts vont être très importants pour ne pas être bloqués dans un certain trafic qui peut survenir au cours de cette épreuve très atypique qu'est Monaco. On a également vu la voiture de Daniil Kvyat qui les suivait avec cette fois-ci je crois Max Verstappen, le néerlandais qui suit la Ferrari. Oh, et l'attaque de la Ferrari, l'accident au virage de la Rascasse, que s'est-il passé? Et Max Verstappen qui casse son aileron, Kimi Raikkonen qui est en tête à queue. Drapeau jaune, évidemment, il faut s'arrêter. Derrière, il y a quelques voitures qui percutent tout le monde. Et safety car, voiture de sécurité déployée ici à Monaco pour la première fois avec cet accident. Drapeau jaune sur toute la piste de Monaco, mais que s'est-il passé? Et retour malheureusement pour l'une des Toro Rosso au stand. On a cassé des museaux. Et Max Verstappen qui a pu repartir. Et je crois que Kimi Raikkonen a également pu se remettre en ligne, mais avec beaucoup de temps perdu. On a une Sauber qui rentre, c'est Felipe Nasser. Il y a une Force India également. On en profite pour faire les arrêts au stand pour ceux qui étaient derrière. Gutiérrez également passe par la voie des box. Ça ressort pour Sergio Pérez. Voici le pilote mexicain qui doit également observer un changement de museau. Et une Ferrari qui est rentrée. Qui est-ce? Eh bien, c'est Kimi Raikkonen évidemment. Et ça regroupe la tête de course avec donc Stoffel Vandoorne en tête toujours. Mais derrière lui maintenant c'est resserré. On va revoir ce qui s'est passé avec Daniil Kvyat. Et oui, là, il n'y a pas moyen de passer. Et ça va taper encore. Vous voyez, il y a des morceaux qui glissent partout. Avec Esteban Gutiérrez qui lui était derrière. Oui, non, là, impossible de freiner en temps pour le Mexicain. Oh, et la safety car qui n'est pas sortie devant les leaders. À la direction de course qui a sorti la safety car en plein milieu du peloton. Ça va nous créer un bazar pas possible, cette histoire. Comment a-t-on pu lancer si mal la safety car? Regardez, elle est devant, je crois, Rio Arianto. Et le pilote indonésien qui a pu passer, non, c'était Pascal Wehrlein, pardon. Qui est là, et oui, oui, voilà, c'est ça le problème, c'est que la safety car est à l'autre bout du circuit par rapport au leader. Et elle va devoir patienter pour que ces derniers reviennent. Quelle erreur de la direction de course d'avoir lancé la safety car au moment où les leaders passaient devant nos cabines. Donc beaucoup trop tard, évidemment. Eh bien, il va falloir maintenant patienter quelques tours, le temps que tout le monde vienne se remettre derrière cette voiture de sécurité. Ça, c'est limite ce qui s'est passé. On voit Fernando Alonso qui se retrouve devant les deux Williams. En pneus ultra soft pour tous ces pilotes. Le S de la piscine. Et voilà Stoffel Vandoorne qui se retrouve derrière la safety car après 10 tours de course en pneus super soft, tout comme Sebastian Vettel qui se retrouve troisième et qui est sur la même stratégie que le pilote belge. Et eh bien, je pense que c'est ces deux-là qui vont se battre pour la victoire, puisque eh bien d'ici quelques tours, Nico Rosberg va devoir stopper. Et Lewis Hamilton est passé par la voie des box. Évidemment, c'est une occasion unique de passer aux box sous safety car. Et donc maintenant, objectif, garder la voiture en température, les pneus, les freins. How much lap can I stay with these tires on the track? How much lap to me? Il va s'en passer des choses dans les prochaines minutes avec les stratégies décalées. Et vous voyez donc cette safety car qui évolue sur cette piste de Monaco. Avec Nico Rosberg toujours en pneus ultra tendre. Pardon. Le pilote allemand qui a une bonne opportunité avec l'accident de Raikkonen, maintenant que nous en parlons, eh bien, de reprendre la tête de ce championnat du monde de Formule 1. Vous découvrez la toute nouvelle... Mercedes AMG, cette safety car qui est controversée par beaucoup de pilotes qui estimeraient que eh bien, une safety car devrait être au minimum une GT3 pour rouler assez vite par rapport au Formule 1, parce que des fois c'est un petit peu trop lent et la perte de température est difficile à récupérer. Et regardez, il n'y a pas tout le monde derrière cette safety car, mais pourtant la piste va être de nouveau sous régime de drapeau vert. On voit qu'il y a encore des débris au niveau de l'épingle de la Rascasse. La safety car est rentrée. On peut d'ores et déjà passer au drapeau vert. Voilà, on relance ce Grand Prix de Monaco. 12e tour désormais sous le commandement toujours de Stoffel Vandoorne, le pilote belge, devant Nico Rosberg qui n'a donc pas ravitaillé pendant le pace car. Et surtout la belle 3e place de Sebastian Vettel, le pilote allemand, et sa Ferrari qui remonte donc très fort. Et quatrième, ce doit être Daniel Ricciardo. Et donc, on rappelle la crevaison de Max Verstappen. Et toujours 22 pilotes en piste dans ce Grand Prix de Monaco. Donc, pas d'abandon, mais une grosse frayeur quand même. Et là, il va falloir se reconcentrer et reprendre le rythme de course immédiat pour tous ces pilotes. Et on a intérêt à savoir où se situe la voiture en température et en grippe, parce qu'une erreur, et c'est terminé. La chicane du port pour Vandoorne, toujours en tête, et vous voyez que dans les rétroviseurs il y a du monde. Le passage de la piscine, et on va couvrir encore un tour au commandement pour le pilote belge, avec à ses trousses donc 3 pilotes décidés à le dépasser, mais encore faut-il y arriver. Alors par contre, il y a quelque chose qui est assez intriguant, c'est pourquoi Mercedes n'a pas fait ravitailler Rosberg au moins à la relance. Ça aurait pu être une bonne solution, parce que beaucoup de gens ont stoppé. Alors va-t-on switcher de stratégie du côté des grilles? On découvrira ça très bientôt. En tout cas, la bonne surprise, elle est pour Vettel, qui se retrouve troisième avec ses pneus ultra soft. Alors, 13e tour de course, on est dans le tunnel avec Stoffel Vandoorne. Qui est en train de pour l'instant réaliser l'exploit au sein de l'équipe McLaren, rendez-vous compte. Avec cette McLaren Honda à bord de la voiture de Nico Rosberg, deuxième de ce Grand Prix, vous entreapercevez dans le rétroviseur la Ferrari de Sebastian Vettel. Et qui est quatrième? Ah, et bien maintenant, c'est Fernando Alonso qui est quatrième. Et bien oui, l'Espagnol est quatrième devant les deux Williams. Et bien voilà, au jeu des arrêts au stand, ça joue et ça gagne pour McLaren qui met ses deux voitures dans le top 5 provisoirement. Évidemment, il va falloir stopper pour les deux monoplaces, mais c'est une belle performance qui ne manquera pas de faire plaisir à Ron Dennis. Les voitures qui passent en tête, c'est une belle chose, et en plus, ça plaît aux sponsors. Oh, attention, là, pour Vandoorne, ça commence à beaucoup glisser. 14e tour, on n'est pas loin de devoir effectuer cet arrêt au stand, avec, regardez, l'aileron avant droit qui a été abîmé suite au contact tout à l'heure contre les rails dans le S de Massenet. Et finalement, eh bien voilà, les pneus sont à 30% quasiment sur le train arrière. Il va falloir rapidement réagir chez McLaren parce qu'on pourrait mettre en l'air toute cette stratégie. Raikkonen qui est reparti à l'autre bout du circuit seul est en 1.17. Évidemment, il enchaîne lui les tours qualifs avec une piste libre, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble de ses petits camarades qui eux sont à la lutte avec d'autres monoplaces. Et Vandoorne toujours bien à son affaire en tête. Mais ça glisse beaucoup, il va falloir observer l'arrêt au box. Raikkonen, le voilà, et il bute justement à l'heure actuelle sur l'une des Haas, celle du pilote mexicain Esteban Gutiérrez. C'est dommage parce qu'il venait de faire le tour le plus rapide, mais là, il est bloqué et ça pourrait le perturber dans, pourquoi pas, sa stratégie décalée. C'est toujours le problème ici, quand vous faites un undercut, il faut bien l'effectuer au bon moment surtout. Ah, peut-être une attaque à la chicane du port. Non, c'était un petit peu présomptueux là d'aller porter une attaque pour Raikkonen. I'm all over the place with the real tires. Really difficult to pass the slow corners. Really difficult. Regardez le monde qui s'est massé dans les tribunes ici à Monaco. Je pense que c'est un des retour en tête avec Stoffel Vandoorne qui fait le bouchon de Liège littéralement. Avec donc Alonso et Rosberg. Alonso et Rosberg 2 et 3. Formidable, donc eh bien visiblement Sébastien Vettel est rentré au box pour chausser et des pneus durs. Oh, attention, Vandoorne qui était proche là. Et des rails. Alors il va falloir stopper pour cette McLaren d'ici peu de temps. Ce serait intéressant d'observer ce pourquoi on va opter. Je pense qu'on va pas remettre un deuxième train de Supersoft, ce serait gâcher la stratégie. Avec donc Alonso qui se retrouve troisième de cette épreuve. Les deux McLaren sur le podium provisoire, regardez ça. Dans la même image, et ça ne rentre toujours pas pour, attention, ça rentre pour Alonso et ça rentre pour Rosberg. La Mercedes qui va chausser les pneus super soft. On devrait aller au bout, je pense. Quant à Alonso, on devrait également chausser les super soft. Et voilà, et il repart juste derrière la Mercedes. Donc pas de temps de perdu pour l'équipe de Woking, en tout cas. Ça repart surtout derrière un beau train-train. Là, on a vu passer l'une ou l'autre Renault et Sauber. Voilà justement Marcus Ericsson. Est-ce qu'on va pouvoir passer devant pour Alonso? Ou Alonso qui va ralentir beaucoup Ericsson. Et ça va profiter derrière, voilà, à la voiture de Vettel qui se replace devant la Sauber. Bien joué de la part de Vettel que voici, qui se retrouve derrière Alonso. Donc c'est bien joué pour McLaren qui réussit à se mettre devant la Ferrari après un arrêt au stand. Donc la McLaren qui a réellement bien évolué. On avait un doute sur les compétences d'Alonso, mais il arrive à faire le travail. Deuxième maintenant, eh bien c'est tous ceux qui n'ont pas encore stoppé. Donc Vandoorne, Bottas et Hülkenberg qui se retrouvent aux avant-postes de ce Grand Prix. Et je crois qu'on va pas tarder à rentrer au box pour Vandoorne, sinon ça commence à être un petit peu tard. I'm struggling with the tires, guys. Why don't we pit now, guys, please? Ça ne rentre toujours pas, aïe aïe aïe, on tire sur la corde pour Vandoorne. Est-ce que ce ne serait pas une mauvaise stratégie parce que les temps sont en train de tomber à plus de 6 dixièmes pour le pilote belge. Et ça rentre pour Valtteri Bottas qui peut ressortir sous le nez de Sergio Pérez qui va également observer un arrêt pour passer les pneus super soft. On sort également, je crois, chez Renault, si j'ai bien vu. Ici on a la Manor qui passe devant nous avec... regardez derrière ceux qui sont bloqués. Arianto, je crois qu'il y a Jolyon Palmer. Et ensuite viennent les hommes de tête, Ricciardo, Hamilton et tous les autres. L'arrêt au stand de Palmer, justement. L'arrêt au stand d'Arianto. Oh, et à nouveau Musso pour la Manor. Ça, c'était pas prévu, c'est dommage. Il faisait une belle course. Rio Arianto, dont le baquet serait en sursis. On parle de Esteban Ocon pour le remplacer. Aux alentours de la rentrée pour Spa ou Monza, si le budget ne peut pas être rempli par les sponsors du pilote indonésien. L'arrêt au box du leader, ça y est. Vandoorne dans la voie des stands dans ce 20e tour de course et on va aller au bout après. I'm all over the place with the real tires. Really difficult to pass the slow corners. Really difficult. Les pneus à bande jaune, donc ça repart. Et Hamilton toujours en tête de ce Grand Prix. Et Ricciardo 3e, ça passe. Attention à ne pas perdre trop de place. Et oui, bien sûr. Alonso est passé. Et oh, attention. Oh, la ligne blanche, là, c'était limite. Et même Raikkonen va revenir et c'est Vettel qui est passé. Donc on s'est complètement loupé chez McLaren. On a laissé Vandoorne en piste pendant beaucoup trop de temps et il a perdu du temps. Et tous les garçons devant sont repassés. Sebastian Vettel, la Mercedes de Lewis Hamilton, Fernando Alonso et la voiture de Daniel Ricciardo. Malheureusement, ça n'était pas la bonne solution pour Vandoorne qui est rentré trop tard. Alors peut-être qu'il y aura de nouveau des arrêts au stand pour les voitures de devant. En attendant, c'est la mauvaise pioche pour la McLaren qui a mené donc 20 tours dans cette épreuve et qui se retrouve désormais au 6e rang. On rappelle l'objectif avoué du pilote belge cette saison, ramener 3 podiums pour l'équipe de Éric Bouillet. Alors que pour 2017, on n'a pas parlé encore de contrat du côté de Stoffel. On ne sait pas si il pilotera encore chez McLaren ou ailleurs. Se retrouve donc 6e. Alors un podium serait peut-être possible avec les voitures devant qui doivent encore effectuer un arrêt au stand. En tout cas, ça cravache, vous le voyez, ça bloque les roues. On est en pneus soft, de quoi donc aller jusqu'au bout. Pourquoi ne pas avoir remonté un train de super soft du côté du pilote belge? Tout simplement parce que eh bien, ça aurait coûté un deuxième arrêt obligatoire puisqu'il faut passer 2 spécificités de pneus différentes pour les pilotes en Grand Prix quand il fait sec de l'extinction des feux à l'abaissement du drapeau à damier quand la course n'est pas déclarée wet. Toujours 22 pilotes dans cette course. Pas d'abandon, mais un Stoffel Vandoorne qui, avec ses pneus frais, va pouvoir, comme on dit dans le métier, taper dedans. Puisque là, les gommes sont bien sûr suffisantes pour aller au bout. Oh là là, attention. C'était compliqué ce passage à l'épingle du Loves pour le Belge. Bouté hors du top 5. Passage dans le tunnel de nouveau et on est désormais sous le commandement de Lewis Hamilton, donc, qui a repris les rênes de ce Grand Prix de Monaco devant le local, on a envie de dire, de l'étape, Nico Rosberg. Oh, attention, c'était proche là de Sébastien Vettel, il y a peut-être même eu contact. Vettel est devant toi. L'écart est de moins d'une seconde. Ils chaussent des pneus ultra tendres usés. Il est à moins d'une seconde. Ils ont de nouvelles gommes super tendres. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes. 17 tours restants. Et on observe pour voir si l'une ou l'autre voiture va plonger sur la droite. Ah, on se décale un peu du côté de Vandoorne, peut-être pour avoir un peu d'air frais dans le bloc Honda. Qui fait pour l'instant avec Ferrari preuve de fiabilité. C'est Mercedes qui a enregistré le plus de casse moteur depuis le début de saison. Et ça risque d'arriver si on se retrouve avec des circuits comme Bakou ou le Canada. Fernando Alonso devant Stoffel Vandoorne. Vous avez vu que Sébastien Vettel n'est plus là. Le pilote Ferrari qui a opté pour la voie des box. Et donc le classement est donc le suivant: Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Nico Rosberg, Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne devant Valtteri Bottas. Voilà les 6 premiers pilotes de ce Grand Prix. Ils sont tous quasiment dans la même image. Et regardez Alonso qui tient bien le rythme. On parlait de cette McLaren en début de saison. Si le moteur devenait performant, ça allait être un excellent châssis. Et comme on voit le comportement de cette voiture sur cette piste de Monaco, on ne peut en douter désormais. Et la McLaren est une voiture qui pourra se défendre un peu plus facilement. Alors je pense qu'il faut isoler bien sûr Monaco du reste de la saison, ça n'est pas comme ça que sont configurés tous les autres circuits. Bien sûr si Vandoorne a pu garder la tête aussi longtemps, c'est parce que le circuit empêche les dépassements. Et la sortie des box de Lewis Hamilton, où va-t-il ressortir le pilote allemand? Est-ce qu'il va être devant justement Nico Rosberg? Non, Hamilton qui se place derrière. Et attention Vandoorne qui va attaquer à l'intérieur, Fernando Alonso dans le S de Massenet. Et c'est passé, Alonso à l'intérieur, le contact entre les deux McLaren et Alonso qui perd son museau. Fernando Alonso qui a perdu son museau. Quel accident débile de la part des deux pilotes McLaren. What the f is Fernando doing? It's crazy. Ah non, Eric Boulier qui ne va pas apprécier le geste. Vandoorne qui a refermé la porte. Alors on espère désormais qu'il n'y a pas de crevaison sur cette McLaren numéro 91. Et ça va rentrer au box très doucement pour Alonso. Le retour avec maintenant l'arrêt de la voiture de Daniel Ricciardo. Les deux McLaren, les deux Mercedes se retrouvent pardon, en tête de ce Grand Prix. L'arrêt au stand absolument imprévu pour Fernando Alonso qui va perdre beaucoup de temps et surtout de points dans cette bataille. C'est tellement dommage de la part des deux pilotes. Voilà Alonso dans la pit lane désormais. Alors est-ce qu'on va remonter des pneus super soft histoire d'attaquer? Et on voit Ricciardo qui sort. Oui, on remonte à train de super soft, d'ultra soft 9 et pas de super soft. Ah, et on change le museau, c'est très long, c'est très long sur cette McLaren. Et voilà, c'est reparti. Mais ça repart très loin. Alonso qui est désormais sur notre écran 12ème de ce Grand Prix. Mais il y a encore des arrêts au stand à effectuer. Et on voit Jolyon Palmer qui passe ou Kevin Magnussen. C'est Jolyon Palmer et on est avec Daniil Kvyat. Oh, qui va dépasser Jolyon Palmer avec la sortie d'Alonso. C'est bien joué de la part du pilote russe qui s'empare de la place que détenait Jolyon Palmer, avec qui vous êtes maintenant en caméra embarquée. Bien joué pour son opportunisme. Retour en tête de course, voilà, avec le trio infernal. Les deux Mercedes chassés par la McLaren qui profite du DRS pour pouvoir suivre ses petites camarades. Donc Rosberg en tête de ce Grand Prix à la maison devant Lewis Hamilton et Stoffel Vandoorne. Le classement final de ce Grand Prix est peut-être connu, mais ça peut encore bouger puisque les trois pilotes sont dans des configurations de pneumatiques différentes. On a Rosberg en super soft, on a Hamilton en ultra soft et on a Vandoorne en pneu soft. De quoi nous donner de belles palpitations dans les prochains tours de ce Grand Prix de Monaco qui est loin d'avoir donné et livré son verdict. Le passage toujours très tendu ici. Et ils sont sur une autre planète, l'écart derrière est assez important avec la quatrième voiture, plus de 10 secondes. Lewis Hamilton qui sort bien du tunnel, va-t-on avoir droit à une attaque? Non. Le pilote britannique qui doit être très précautionneux s'il veut attaquer son équipier. Sinon Vandoorne va sauter sur l'occasion. À bord avec Lewis Hamilton maintenant dans le troisième secteur de cette piste de Monaco. À l'affût, le pilote britannique qui doit remporter ce Grand Prix s'il veut garder une chance face à Nico Rosberg qui prendrait un avantage considérable sur Kimi Raikkonen au classement général. Vandoorne qui se place à l'intérieur, Hamilton qui ouvre la trajectoire. Est-ce que Vandoorne peut passer? Le contact avec le mur. Lewis Hamilton qui s'est mis dans le mur tout seul comme un grand, alors que Vandoorne le dépassait. Incroyable, incroyable ce qui s'est passé. Ah, Stoffel Vandoorne là, voilà, qui s'est emparé donc de la deuxième place au détriment de Lewis Hamilton. Est-ce qu'il va rentrer? Malheureusement oui. L'arrêt au box d'Hamilton qui a été donc trop loin et qui va devoir, je crois, changer de museau. Et on remet un train d'ultra soft 9 pour Hamilton, mais la course est terminée. Le nouveau museau est placé et on va libérer Hamilton. Voilà. Et que c'est dommage, et tout comme Alonso, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez qu'il est très difficile de dépasser, mais on peut y aller au chausse-pied. Mais là c'est Hamilton qui a cédé sur l'extérieur. C'est dommage pour le Britannique dont le championnat n'est pas non plus au beau fixe. Et ça repart alors que passe Fernando Alonso, bien sûr, qui se retrouve devant Lewis Hamilton. Un point sur le classement. Rosberg en tête, Vandoorne deuxième et Valtteri Bottas troisième. Une Williams sur le podium, ce serait peut-être la première fois cette saison. À vérifier dans les archives, mais normalement c'est la première fois, je crois, qu'une Williams pourrait terminer sur le podium. 5 tours dans cette épreuve. 39 tours à couvrir, on est dans le 34e et l'écart avec Rosberg qui diminue. Stoffel Vandoorne avec ses pneus dont il donne tout ce qu'il a est en train de revenir sur Nico Rosberg dont les pneus super soft sont peut-être en train de s'écrouler plus rapidement que prévu. Le droit du portier Et oui, pas de communication dans le tunnel, évidemment. Les radios qui sont coupées. C'est assez rare encore en Formule 1 d'avoir des endroits où les radios passent mal. Mais c'est le cas ici. Ça a été le cas également en Russie, où les radios avaient été difficiles à entendre. Notre retard sur la voiture de devant est de 2,6 secondes. Tu perds un dixième au tour. Il chausse des pneus super tendres usés. Le dernier tour. Nico Rosberg, leader de ce Grand Prix de Monaco, qui entame un nouveau passage dans le tunnel avec un bel écart face à Stoffel Vandoorne. Mais cet écart diminue par centième et dixième de seconde au fur et à mesure des boucles. Les nuages qui sont également en train de venir nous mettre un petit stress dans cette fin d'épreuve. Pas de pluie prévue en tout cas, mais la piste qui va refroidir. Et on sait que les McLaren fonctionnent mieux sur des pistes fraîches. Donc ça pourrait être au profit de la McLaren qui a tendance à surchauffer ses pneus. C'est pour ça que les pneus durs fonctionnent pas bien sur cette McLaren Honda. Le panotage pour Nico Rosberg qui mène un nouveau tour de ce Grand Prix. Allez, on retourne dans le peloton avec, attention, les Ferrari qui sont à la bagarre. À l'image, Sebastian Vettel devant, je crois, Daniel Ricciardo bloqué derrière la Force India. À bord avec le pilote australien maintenant qui n'a pas eu de chance non plus avec ses arrêts au box et sa stratégie. Par contre, les Haas font quelque chose de tout à fait correct. On aperçoit dans les rétroviseurs Fernando Alonso et Lewis Hamilton qui ne sont pas si loin que ça finalement. On espère des points pour les deux pilotes. Vous les voyez, voilà, dans le fond de l'image, devant Max Verstappen. Attention, parce que là, il y a eu un petit loupé pour la voiture du pilote mexicain. Et regardez qu'on est à la file indienne. Une erreur, je pense, de Checo et Vettel qui plonge quoi qu'il arrive. Alors attention à ne pas plonger de manière non plus démesurée. Avec maintenant Max Verstappen, le néerlandais, qui est derrière Lewis Hamilton. Donc ces trois-là devaient être avec Vandoorne et Rosberg. Mais malheureusement, eh bien, les aléas de la course ont fait que non. Alors pas de crevaison pour Vandoorne, ce qui est un miracle quand on voit qu'il a été tasser véritablement Alonso au S de Massenet, et Alonso qui n'avait tout simplement pas la place. Le voici, Alonso, et regardez les nuages qui s'accumulent, hein. Ça commence à être très sombre ici à Monaco, alors que vous ne le voyez pas, mais un nouveau tour est couvert en tête par Nico Rosberg à cet instant même. Lewis Hamilton à l'image, oh, et derrière ça se bagarre avec la Red Bull et là voilà la Toro Rosso, je vais y arriver, de Daniil Kvyat, qui fait pour l'instant une très belle saison, le pilote russe, depuis son switch de baquet en début de saison. Oh, Verstappen qui est lent, Verstappen qui est très lent et qui laisse passer Daniil Kvyat. Il y a un problème sur cette voiture, il y a un problème sur cette Red Bull Tagger. Ça ne va pas pour Verstappen, Grand Prix de Monaco à oublier pour le néerlandais. 36e tour de course, toujours la chasse pour Vandoorne avec ses pneus soft. Mais les écarts diminuent, vous voyez, Rosberg n'est plus si loin que ça. Et on confirme qu'il ne pleuvra pas avant l'abaissement du drapeau à damier. Oh, attention, Vandoorne, ça glisse beaucoup là. On est à l'attaque maximale, mais il faudrait rappeler aux pilotes belges que la limite de la piste, c'est certes le rail, mais c'est aussi les lignes blanches qui parfois la jonchent. Pas de DRS, pas encore de DRS. On va voir l'écart au passage de la ligne. 1,2 secondes au prochain tour. Vandoorne aura le DRS, blocage de roue au passage de Sainte-Dévote. Et Bottas, solide, troisième, qui va ramener le premier podium de Williams cette année. Bottas qui n'a pas eu de chance avec sa casse moteur, notamment à Bahreïn, et ses soucis en Russie. Oh, Vandoorne qui frôle la bordure de béton et les Armco. Et oui, ça commence à glisser. Oh, quelques gouttes de pluie, ou c'est une illusion? Eh non, c'est un effet de petit coton pour moi, navré. Il fait très sombre d'un coup ici à Monaco, mais pas de pluie encore. Et heureusement, et ça devrait rester sec jusqu'à la fin de cette épreuve monégasque. Toujours avec Rosberg, mais pour combien de temps? Le freinage terrible de Stoffel Vandoorne qui a été là, à la limite de bloquer ses roues et de terminer droit dans le mur. Attention à ne pas tout gâcher non plus. Après l'accident avec Fernando Alonso, ce serait un zéro pointé pour Stoffel s'il n'arrivait pas à ramener ce podium qui lui tend les bras. Est-ce que sacrifier une victoire à Monaco pour 0 points serait nécessaire plutôt qu'une deuxième place et 18 points très importants dans la lutte avec Williams et Toro Rosso, classement constructeur, on suit les pilotes dans ces dernières boucles. Vous voyez que ça glisse beaucoup hein, pour tout le monde, mais il y a clairement plus rapide sur la piste pour Rosberg, c'est Vandoorne, et voilà, la jonction est faite, mais maintenant il faut encore trouver l'opportunité de dépassement pour le pilote belge qui doit encore se rapprocher. Et il doit encore espérer se rapprocher de Nico Rosberg s'il veut récupérer la tête de course. Deuxième freinage, très limite pour Vandoorne. Les freins qui sont très chauds sur la McLaren. Attention à ne pas surpiloter et payer le prix fort. C'est un jeu très dangereux auquel se livre le pilote belge. Mais regardez la vitesse à laquelle il attaque les vibreurs. Il est en train de ruiner limite les suspensions. Alors est-ce qu'on lui a donné le feu vert? Il attaque à l'intérieur. Dans le dernier virage, ils sont côte à côte à la sortie de la Rascasse. Celle qui peut passer à l'intérieur au virage Anthony Nogues. Non, Rosberg est en tête. Ils vont arriver quasiment côte à côte sur la ligne de départ. Et c'est Rosberg qui va remporter ce Grand Prix de Monaco. Finish. Victoire de Rosberg à quelques dixièmes devant Stoffel Vandoorne. Quelle finale ici à Monaco. Nouvelle victoire sensationnelle pour les flèches d'argent. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin? Eh bien, ils ont su exploiter l'arrivée de la voiture de sécurité à la perfection. Il y a une foule de facteurs à prendre en compte lors de la neutralisation de la course. Faut-il rentrer au stand pour chausser des gommes neuves? Est-ce que votre avance est suffisante? Combien de carburant pouvez-vous économiser? Si vous prenez les bonnes décisions, vous avez toutes les chances de l'emporter. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Alors que la fièvre retombe doucement après un Grand Prix d'anthologie, nous retrouvons les trois vainqueurs de la course. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement pilote. Nico Rosberg prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. Si on vous demandait le pilote du jour, Nicolas Martin, ce serait qui pour vous? J'ai l'embarras du choix, mais d'instinct, je dirais Valtteri Bottas. Et vu les performances des autres pilotes, mon choix est définitif. Jetons à présent un œil au classement constructeur. Mercedes creuse l'écart au sommet du classement. Williams a également obtenu un excellent résultat et progresse au classement. Merci de nous avoir rejoints pour cet incroyable week-end. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Et il est temps de retrouver le calme du motorhome pour conclure cette sixième manche de la saison qui aura marqué donc le premier podium de l'année pour McLaren. Ça aura été difficile, je pense que le retour à la réalité sera dur du côté du Canada. Rendez-vous donc d'ici quelques jours pour vivre le Grand Prix de Montréal en direct. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, très bon amusement en piste et à la prochaine, ciao!